Bonjour La Ciotat. Vous allez bien? Alors, merci d'être venus aussi nombreux pour une séance à 14h. Il y a plein d'enfants. Levez la main, les enfants. Est-ce que vous connaissez Pierre-François Martin Laval, le réalisateur du film? Oui. Vous l'avez connu dans Faïm, Gaston Lagaffe. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à PEF. Applaudissez fort. Et dans les profs. Et dans les profs, les deux. Pour ceux qui ont vu les profs, tu faisais quel prof? Polochon. Avec un H, hein. Ouais, parce que... Il y en a qui m'appellent Polochon, ça va pas. Et bah bonjour, chers voisins. Moi, j'habite Marseille, hein, donc j'ai fait beaucoup de routes pour venir. Et je suis très heureux de vous parler un petit peu du film sans rien vous dévoiler, évidemment. Je suis pas fou, mais je vais vous raconter quelques petites histoires sur le film. Tu voulais me poser une question, peut-être? Si vous avez, tout d'abord, si vous avez des questions, moi, je vais passer dans les rangées, les enfants, pour vous poser des questions à Pierre-François, du coup. Il faut... Ségolène, placez les gens en salle, s'il vous plaît. Mais j'ai une première question. On le voit dans tes films... Tu une attention particulière pour les comédies pour enfants. Mmh. Qu'est-ce qui te plaît dans ce type de comédie? Bah, en un, ce qui me plaît, c'est que mes enfants pourront aller voir ce que je fais, ce que fait papa. Ouais. Parce que je m'absente quand même parfois 8 semaines. Enfin, je reviens le week-end, mais bon, c'est beaucoup d'absence. Et mmh. Donc... J'ai hyper besoin que mes filles sachent pourquoi papa s'en va. Et surtout, si je fais des films pour elles, bah, du coup, c'est une petite récompense. Sinon, bah, ce qui me plaît, c'est que je m'y sens... c'est un élément naturel pour moi, parce que je suis pas complètement sorti de l'enfance. J'ai gardé, comme beaucoup de comédiens, je clown une dame d'enfant. Donc, c'est un milieu dans lequel je suis très à l'aise, voilà. Et puis qui me touche notamment par exemple la fin de cette histoire que je ne raconterai pas évidemment, mais qui m'a vraiment donné envie de la raconter puisqu'elle est tirée d'un livre. Oui, c'était ma deuxième question d'ailleurs. Ben, vas-y. Ce film est tiré d'un livre issu d'une dizaine d'années, c'est ça? Peut-être même plus, je crois, parce qu'il y avait des choses un petit peu anciennes que j'ai dû réactualiser, donc je dirais qu'il a 20 ans. Et c'était ça s'est passé au tout début du premier confinement. Mon producteur, pour qui j'étais en train de chercher des sujets pour l'épreuve 3, m'a dit, écoute, mon fils en CM1, il lit ce livre avec sa maîtresse et il m'a sauté dessus en me disant, mais pourquoi tu ne le fais pas au cinéma? Ça serait génial au cinéma. Donc je l'ai lu et c'est vraiment en le terminant, dont ce livre s'appelle quasiment pareil, hein, j'ai modifié un peu le titre. C'est Les Trois Vengeances? La troisième. Ah ouais. Ça s'appelle La Troisième Vengeance de Robert Poutifar. J'avais envie que les gens sachent, avant d'aller voir le film, qu'il s'agissait d'un maître et pas d'un boucher. Donc j'ai dit, allez, on va enlever Robert, on va l'appeler maître. Et puis, je voulais pas que ça s'appelle La Troisième, parce que je me dis, ça en dit peut-être trop sur... Le film. Sur l'histoire. Et puis, il y avait une confusion, c'est qu'il y avait des gens qui disaient, oh là là, Troisième Vengeance, moi, j'ai pas vu le deuxième. Alors, il y avait une petite confusion de marketing là-dessus. Donc voilà, en lisant le livre, j'avais très envie de raconter l'histoire. Et comment t'as su le retranscrire dans notre monde actuel, du coup? Bah, y avait des choses assez évidentes. Je ne veux pas dire désuète parce que c'est péjoratif, mais c'était de son époque. Par exemple, les réseaux sociaux n'existaient pas quand il a écrit le livre. Là, tout s'est passé en quelques années, hein. Même pas 20 ans, quoi. Tout a changé. Donc, je ne pouvais pas ne pas en parler. Il y a aussi le rôle de Madame Poutifar, la maman. Il vit encore chez sa maman, donc ça, je crois que je ne vous spoil pas trop l'histoire, mais... elle est alitée dans le livre et je me suis dit, comme je voulais proposer à Isabelle Nanty,
Si c'est pour être alité pendant tout un tournage, c'est dommage de ne pas profiter de son énergie. Donc j'ai trouvé des astuces pour qu'elle sorte du lit, vous verrez. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Peut-être si après le... Il y en a qui ont lu le livre, non? Qui a lu le livre dans la salle? Hier, il y en avait 4-5, donc ils vont s'amuser à pouvoir voir la différence, le travail d'adaptateur, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai... j'ai gardé... Monsieur Mourleval, l'auteur, malgré toutes ces réactualisations, là, toute cette modernité que j'ai apportée, il trouvait que c'était très fidèle. Okay. Et puis surtout, il était touché que j'ai pas changé la fin, parce que quelqu'un avait adapté son livre 3 ans avant moi, et il a refusé de donner les droits suite à la lecture du scénario, parce que justement, la personne avait... pas accepter la fin. Et moi, c'est au contraire ce qui m'a motivé. D'accord. Et le duo Isabelle Nanty et Clavier, ça s'est passé comment, du coup? D'abord, Isabelle Nanty, je ne peux pas écrire une histoire sans penser à ce qu'elle sera dedans. Voilà. Donc, je lui ai donné le scénario à elle en premier, et puis elle me l'a refusé, hein, comme toujours. Parce qu'elle me disait, mais je ne vais pas faire la maman de Christian Clavier, j'ai 10 ans moins. Voilà, donc 3 heures de maquillage plus tard, elle était convaincue que j'avais raison, que c'était possible. Et puis Christian Clavier, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il m'a dit oui, je veux le faire à tout prix, mais comment tu vas faire pour me rajeunir? Parce que c'est vrai que je vous raconte, j'essaye de pas vous raconter l'histoire, mais ça se passe dans deux époques différentes. Donc il était un peu angoissé de ça. Et puis, je me suis souvenu de Madame Doubtfire qui avait des astuces. Si vous avez vu le film Madame Doubtfire, il avait des astuces pour se transformer. Donc, on a utilisé un peu les mêmes procédés. Voilà, et la rencontre, il n'y en a pas eu, puisqu'ils ont déjà fait... qui a déjà vu Nanty Clavier dans un film? Un petit quiz. Oui? Les profs. Les profs, oui. Et un autre succès, encore plus gros succès. Il va ressortir au cinéma. Ouais, les visiteurs et... Astérix et Obélix, ouais. C'est ça. Astérix et... les bronzés, ils ne jouent pas dedans. Je crois que j'en oublie un. Je crois qu'ils ont fait 4 films ensemble. 5? En tout cas, ouais, peut-être, ouais. Non, je crois. Mais bon, c'est vrai que c'est extraordinaire pour moi de les avoir devant la caméra, parce que c'est des grands enfants. Et... Les deux? Oui, oui, oui. Et... Quel plaisir trouves-tu à diriger des enfants? Les enfants, les vrais enfants? Les vrais enfants. Aucun plaisir. Non, aucun? Non. Non, vous savez pourquoi je réponds ça? Parce que c'est une légende, ça fait 100 ans qu'on dit ça dans le cinéma, si tu veux faire un film, pas d'enfants, pas d'animaux. On dit toujours ça. C'est vrai. Mais franchement, peut-être c'était vrai à l'époque de Pagnol, mais maintenant, on a des grands dresseurs, pas d'enfants, hein, voilà, on a des super dresseurs. Enfin, en tout cas, peut-être c'est vrai, moi, j'ai fait mon premier film avec un pingouin. C'est vrai que de temps en temps, j'avais des soucis, parce que c'est pas un chien, un pingouin, donc on dresse pas comme ça, mais un chien... Les gens sont très doués. Là. Patrick Pitavino, qui est le plus grand dresseur en France, il travaille avec beaucoup d'amour du chien, beaucoup d'encouragement, jamais de tape, jamais de on le gronde pas. On encourage et c'est très très beau aller voir travailler. Et en revanche, il fallait que je sois précis sur mes demandes. Donc vous verrez, il y a beaucoup d'actions pour le chien. Et je vous en parle parce que souvent, après, quand je rencontre les gens après le film, ils me demandent pour le chien. C'est un vrai chien, contrairement à L'Appel de la forêt avec Harrison Ford. Non, là, on avait de la compagnie. Clavier l'aimait beaucoup. C'est un pitbull. Et le pitbull, contrairement à tout ce qu'on raconte, est très gentil à la base. C'est son maître qui est un enfoiré, en fait. Et si on dresse un berger allemand... peut-être pas un teckel, mais si on dresse un pitbull, un berger allemand, à être agressif, évidemment, pour faire plaisir à son maître, il le saura. Et lui, il était hyper gentil, un peu trop, parce que vous verrez, il y a une scène d'impro où il a beaucoup léché Christian Clavier, et que j'ai gardé d'ailleurs. C'est très drôle. Ouais.
Et non, non, c'était. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Je ne sais pas s'il y a des questions. Hein. C'est le cas pour vous, parce que vous n'avez pas encore découvert le film. Je peux passer. Je suis très sportif. Je peux venir pour les questions. Non, je ne suis pas très sportif, mais je peux venir quand même. Non? Pas de questions? Qu'est-ce que on peut vous souhaiter pour ce film? Ah bah, qui marche? Il y a qu'un mot, voilà, le succès. Hein. Le succès. Évidemment, quand on travaille 3 ans sur un film, on est très triste. Hein, quand il marche pas, évidemment, on s'en fout pas du tout, on est bouleversé. Ça m'est arrivé, tout m'est arrivé hein, au cinéma, le succès, l'échec. C'est 3 années, c'est lourd, quoi. Ouais. Donc à chaque fois un film on peut pas le faire en 6 mois hein, ça prend beaucoup de temps, surtout que moi je participe tout le temps à l'écriture, donc j'espère que voilà, il accompagnera les gens cet été. Je pense qu'il y a plein de comédies sympa cet été, donc j'espère qu'il pleuvra cet été. Oui mais attendez, réchauffement climatique, il faut qu'il pleuve les amis. Moi je suis content maintenant quand il pleut, avant je faisais la gueule. Et puis notre nappe phréatique est sèche, donc s'il pleut, bah les gens iront au cinéma, et puis voilà, la planète sera contente. Voilà. Peut-être une... C'est la première salle, attendez, je fais 4 villes par jour, première salle où il n'y a pas de questions, je ne peux pas partir comme ça. Ah, j'avais pas vu, Miss. Mais quel courage. C'est la première. Ah, les filles. C'est qui les filles là? Alors, les filles, ce sont des petites comme toi, dont les parents ont vu l'annonce sur Internet, une annonce de casting. Tu sais, un casting, ce que c'est? C'est quand on cherche des acteurs, des actrices pour un film. Donc, on lance un casting. Maintenant, depuis le Covid, on fait beaucoup ça par Internet. On envoie une annonce. Les gens peuvent répondre, même de Strasbourg, de Lille, de n'importe quelle ville. Ils envoient une vidéo. On leur donne une scène. Ils envoient une vidéo. Et puis. Si on les retient, je les rencontre à Paris. Donc j'en ai rencontré des tas comme ça, tu vois, d'enfants qui ont travaillé avec moi tous les samedis. Et puis je faisais des clans. Alors j'ai cherché les pires enfants, en fait, parce que tu vas voir, c'est des lascars. Et puis je cherchais aussi des jumelles. Donc ça, c'était compliqué. C'était compliqué. Et puis après, je cherchais les mêmes enfants, mais en adultes. Donc c'était, voilà, c'était un drôle de jeu à faire. Et je me suis bien régalé, mais voilà, ce sont des... tu as Aaron, là, qui vient de Strasbourg, qui est le meilleur imitateur de Jeff Tuche. Connais Tuche ? Voilà, c'est le meilleur imitateur de Jean-Paul Rouve. Voilà, tu as Nina, Elena et Chalice. Voilà. Il y a une question, j'arrive de suite. Ah oui. À Marseille, on m'a demandé encore plus que ça. On m'a dit, mais pourquoi, c'était après avoir vu le film, on m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas gardé les enfants pour jouer les rôles adultes? J'ai dit, mais tu veux dire quoi, que j'attende 20 ans pour tourner les scènes? Elle m'a dit, oui, bon. Donc j'ai répondu, mais c'est pas possible, ça n'existe pas ça. On tourne avec des enfants, et puis on cherche des adultes qui ressemblent à l'enfant. Alors là, il y a ma fille, une de mes filles qui a levé le doigt en disant « Bah si, c'est possible, Harry Potter, c'est le même qui a fait le 1 et le 12, ou je sais pas quoi. » Bon, bref. Donc, comment on a fait? Ben, un casting pour les adultes aussi. On cherchait des gens qui leur ressemblaient un peu physiquement. Après, il y a des astuces aussi. Tu vois, la coupe de cheveux, on essaye de faire la même coupe de cheveux. Ce qui est complètement stupide, parce que dans la vie, tu n'as pas la même coupe de cheveux à 9 ans et à 30 ans. Mais au moins, on reconnaît un petit peu les... Voilà. Bah, par exemple, Chalice, je me suis dit que j'allais prendre une adulte de couleur noire, parce que sinon, ça aurait été difficile à faire comprendre que c'est la même, tu vois. Et j'en profite pour parler d'elle, de l'adulte que vous découvrirez dans le film. C'est une vraie chanteuse. Je vous dis ça parce qu'après, vous allez peut-être vous demander. J'ai fait un casting où j'ai auditionné des actrices qui savaient très bien chanter. Et puis aussi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas des chanteuses qui savent très bien jouer. Et c'est elle qui a gagné le concours.
une super chanteuse qui vit à Berlin et qui était bouleversante aux essais. Les chansons, c'est les musiques qui sont sorties. Alors, les chansons vont sortir avec la BO du film. Enfin bon, de nos jours, ça a moins de succès les BO qu'avant mais ça sera sur Internet. Mmh. Et c'était vraiment sympa. La première que j'ai entendue, c'était vraiment sympa. Bah, ce qui est hyper intéressant, c'est que elle s'appelle Kezia, celle qui joue le rôle de Chaëlys adulte dans la vie s'appelle Kezia, et en fait c'est une chanteuse qui a pas du tout le même univers que dans le film. Vous pourrez aller voir, vous tapez Kezia sur Deezer ou Spotify, etc. Vous verrez, ou même YouTube, il y a ses clips. Et vous verrez, c'est pas du tout le même genre de musique, les mêmes paroles. Et elle s'est prêtée au jeu pour le film. Je lui avais fait une commande avec des thèmes que je vous laisse découvrir, des thèmes très précis. Et puis je lui ai dit musicalement, musicalement, je voulais que ça soit plus pour les jeunes, pour les ados, que ça soit pas du tout le même son. Et c'est dingue, elle a fait le voyage, quoi. Elle a écrit quelque chose qui n'était pas du tout apparemment dans ses cordes et qui est dans le film, quoi. Une autre question ? Mais pourquoi t'as pris trois filles et un garçon ? Ah, ça y est, on se tutoie, alors c'est cool. Check. Trois filles et un garçon. Alors, j'ai envie de dire que tu sais... On fait depuis des siècles, on fait travailler beaucoup les hommes en fait au théâtre et au cinéma, parce que ce sont beaucoup d'hommes qui mettent en scène et écrivent. Et maintenant, on essaye depuis quelques années d'inverser la tendance. Mais là, j'y suis pour rien. Dans l'histoire, il y avait, si mes souvenirs sont bons, deux jumelles, une petite future chanteuse et celui-là, ce Lascar, c'était déjà comme ça. Maintenant, c'est vrai que j'essaye d'inverser. Parfois, quand je vois un rôle d'homme, je me dis, tiens, si c'est une femme, j'essaye d'y penser, parce que c'est un exercice, finalement. Voilà. Mais non, mais c'était comme ça dans l'histoire. Peut-être tu t'amuseras à lire le livre, tu verras. En tout cas, nous, personnellement, le CGR, on tient particulièrement à te remercier pour ta venue. Merci. Avec le CGR, on a une affinité particulière. Moi, je t'ai suivi dans tous tes films et je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui. C'est une longue tournée, du coup, et tu vas pas tarder, mais tu veux faire quelques photos. Si j'ai photos. Le temps, oui. Ouais, si il y en a qui veulent faire une photo ici avec moi, c'est 2 francs. C'est 2 francs. Et il y a un chapeau. Non. Préparez les téléphones.